free spirit. Yes, indeed. Because a lot of things going on in the past, and some of it not proud about the same way, but here I come before thee as a sinner. One love. You know? Leading. Midnight. Hello, it's me, talking as a sinner, praying to you earnestly. It's cold and freezing, talking as a sinner, begging you forgiveness, please. Free spirit. Par le pouvoir du tout puissant, par la puissance du lien sacré, au nom des miens, la paix sur mes frères et sœurs à l'écoute. Sierna Lenboki. Mes amis, comme convenu, nous allons aborder le second volet de la trilogie Sorcellerie. L'idée étant que le public profane sache ce qui se passe et que les amateurs d'art noir sachent que ce monde a un maître, le Dieu unique, qui n'est pas le leur, celui qu'il déifie, toutes ces fausses déités qui n'ont de pouvoir que celui que ces certains leur donnent. Présentement, et pour les besoins d'une meilleure compréhension de la problématique exposée, j'ai décidé de vous présenter un cas pratique observable dans la vie de tous les jours. En effet, ces phénomènes, même si peu connus de l'ensemble du public, existent réellement. Surtout dans des sociétés où l'espoir cède progressivement, en raison de plusieurs facteurs internes et exogènes, la place à un vide ontologique sans pareil, qui place les êtres dans des positions où ils ne le sont plus exactement, humainement je veux dire, car quand on joue dans le terrain des esprits, quand on procède à ce type de manipulation, il est clair que l'on s'éloigne de la vie telle que vous et moi sommes censés l'approcher. Retenez mes amis, très important ce que je vous disais préalablement, le fait que l'on te fasse ce que tu permets, en général, dans la vie, très important. Retenez également qu'en tant que soldat de la lumière, je dispose de certaines informations inconnues de la plupart des personnes. Personnellement, j'ai fait moi-même l'objet de plusieurs attaques spirituelles de manière continue sur des dizaines et des dizaines d'années, venant de plusieurs ennemis, mes amis. C'est en combattant pour ma vie que j'ai été amené à parfaire ma compréhension de ces phénomènes, mes amis. Et si, le long de mon parcours, certaines informations ne me furent pas parvenues par les personnes en sachant beaucoup plus que moi, eh bien, je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. Il est donc de ma responsabilité de partager ce que je sais pour qu'en retour, d'autres puissent se sortir de ce type d'affaires et qu'à long terme, le mal soit neutralisé et éliminé. J'ai personnellement mené le combat précisément avec deux organisations dont les membres prospèrent de la sorte et qui opèrent impunément ainsi depuis au moins 50 ans ici même dans notre pays. Ils ont le bras long et leurs tentacules s'étendent partout dans la société. Notez que nous sommes mes amis à l'ère du dévoilement de certaines réalités. Au fur et à mesure, les gens en prendront de plus en plus conscience, car ce n'est que justice d'être bien au fait de son environnement. Maintenant, quand on est une personne portée vers le bien, la première des choses à faire est de faire attention à son entourage. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mes amis. Car les mauvais esprits envoyés pour nuire à un individu sain, un homme ou une femme de bien, ne peuvent pas accéder directement à ce type de vaisseau humain à polarité inverse. Ils doivent donc voyager en se greffant à des individus de mal ou des mauvaises personnes, des vecteurs si vous voulez, qui ont accès à ces personnes de bien. Consciemment ou inconsciemment, elles sont donc chargées de permettre au mal d'arriver à bon port pour exécuter sa sale besogne, que ce soit usurpation de biens, de personnes, de positions, etc. C'est pour cela, sans détailler, que nous vous avons appelé plusieurs fois à ne vous accompagner qu'avec des personnes bien et positives qui ne font pas de mal et qui ne disent de mal de personne. Ce sont là les premiers signes d'alerte, mes amis, et si vous les ignorez, c'est que soit vous êtes une personne naïve ou légère en son approche des choses, soit vous êtes vous-même un élément du mal. Aussi,
Les personnes de qualité dotées de certains talents enviables dans la vie doivent être conscientes de la nécessité de se préserver, de se protéger, consolider leur position dans la vie en adoptant un comportement adéquat en toutes circonstances. On ne s'amuse pas. Real life story, shit is real, my niggas. En toute connaissance de cause, maîtrise de leur environnement pour déjà continuer à exister et optimiser leur capacité pour s'offrir la vie que ces dernières leur permettent. La même logique est observable dans le milieu de la musique et des arts. Vous constaterez, mes amis, qu'il y a beaucoup de décès chez les artistes. Regardez par exemple aux USA, rien que l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, il y a eu près de 500 assassinats de rappeurs. On met souvent cela sur le dos de la violence dans les villes et les ghettos, mais la réalité est tout autre, elle est ailleurs. Car certains artistes bien installés dans l'industrie et affiliés à des loges occultes pour se maintenir sont obligés de procéder à des sacrifices humains en général dans leur milieu. Sont ciblés les talents à éclore, les stars de demain. Ainsi, leur sacrifice leur permet indirectement de s'accaparer de leur lumière et ainsi de suite. La même chose, mes amis, en politique. Dans beaucoup de pays, lors des périodes électorales, quand il y a des tensions, cela peut conduire à plusieurs morts. Lors de divers rassemblements de manifestations, en général des enfants, pour la plupart, mes amis, vous le voyez tous. Il s'agit là de sacrifices humains pour maintenir et renforcer les positions de pouvoir de la putain de sorcellerie, rien de plus. Idem pour les sacrifices d'enfants de moins de 10 ans de diverses sectes. Tout est énergie, mes amis, et vibration. C'est donc une question de capter et rediriger les énergies vitales. Il y a d'autres cas, mes amis, mais passons. Passons à l'abord du sujet du jour. Free spirit. My past me not proud of, but me have to be guidance. My heart is in favor of you, still me fall many times. And the way that this cold, cold world me start to climatize. And me can't be a fool of a jam many lines. Hello, it's me, talking as a sinner, praying to you earnestly. Cold and freezing, praying as a sinner, hoping you remember me. Free spirit. L'exemple d'aujourd'hui sera un cas que l'on appelle en anglais, mes amis, switching destiny, dont la présentation découle de l'observation d'un cas réel. Il était donc une fois deux individus, l'un porté vers la lumière, un être de lumière, et l'autre un amateur de magie noire, des arts occultes. Sachez que de la même manière que vous, vous organisez votre vie pour évoluer au regard du contexte et de vos capacités dans votre réalité, d'autres optent pour subtiliser ou voler tout ce qui leur manque chez autrui. Nous parlons de vol pur et simple, mais sur ce volet, sur le volet occulte ou mystique si vous voulez. Notre amateur des arts sombres est tombé amoureux de la personnalité de l'autre personne, envié ses capacités, sa manière d'être, sa positivité, sa fortune, et décida, au regard de ce qu'elle a eu à expérimenter durant sa vie, de s'accaparer indirectement de l'identité et de la fortune de ce dernier, qui naturellement ne pouvait se douter que ce type de choses pouvait exister. Il ne soupçonnait même pas leur existence. Notre apprenti sorcier est donc allé voir un manipulateur aguerri, avéré des énergies. Il y en a plein ici qui compose avec les énergies noires. Il lui exposa son plan de prospérer aux dépens de sa cible, en s'accaparant de ses qualités pour lui filer ses tares et avoir plus de chances de mener la vie que ses propres capacités à lui ne peuvent lui offrir. Donc durant toute cette période, tous les jours, un plan précis de sacrifice a été établi. Ces gens sont patients et peuvent dérouler un plan pendant des années. En l'occurrence ici, nous sommes sur une période de 6 à 7 ans. Le praticien donne les instructions journalières et ils observent ensemble la trajectoire de la cible qui, encore une fois, ne peut être vulnérable que si elle accepte la présence de son inconnu bourreau. Quand vous vous accompagnez avec quelqu'un et que vous êtes quelqu'un de normal, vous développez des sentiments d'affection et d'amitié. C'est la porte d'entrée spirituelle pour toute attaque.
car votre esprit accepte cet être, vous lui souhaitez du bien, vous vous réjouissez quand ça va pour lui et êtes triste pour lui quand il fait face à ses difficultés, à des difficultés. Vous n'avez dès lors plus de bouclier et êtes à sa merci. Tant que vous maintenez cette proximité émotionnelle, entre guillemets. Le même exemple est observable dans les relations sexuelles et conjugales, également porte directe d'entrée de mauvais esprits manipulés. C'est pour cela que les textes religieux interdisent la fornication, mettent en garde contre la vie de débauche. C'est à cause des esprits, mes amis, mais on ne vous le dit pas dans le texte. L'explication est et sera toujours spirituelle. Le monde spirituel est beaucoup plus vaste que le monde physique dont il procède, mon ami. Notre ami déroula donc avec son acolyte son plan, en espérant qu'au finish, que les sorts et mauvais esprits continuellement envoyés finissent par faire perdre à la cible sa joie de vivre, sa positivité, son dynamisme, bref, tout ce qui fait qu'elle soit une personne de qualité. Pour qu'au finish, elle se renie elle-même, commence à agir comme elle ne devrait pas, ce qui ouvrira la porte à son ennemi pour finaliser l'opération remplacement. En d'autres termes, je prends tes bijoux et je te laisse mes merdes, pour parler simple. Mais encore une fois, la décision vient de toi. C'est toi qui du jour au lendemain tourne le dos à tes valeurs propres, à ton identité. Autrement, c'est impossible. Le libre arbitre dont on parle tant, mes amis, la puissance de l'homme. C'est pour cela que nous vous avons également dit que les systèmes politiques et le contrôle des masses jouent sur la manipulation de ce libre arbitre pour contenir le consentement des êtres à contrôler. Même logique, différentes approches. Le problème qui s'est posé dans notre cas, c'est que la cible s'est réveillée. Car de la même manière que les mauvais esprits font leur travail de désorientation, les bons esprits qui ont été appelés par toutes les bonnes actions que vous faites tous les jours, ces esprits ou anges gardiens ont aussi des moyens de vous alerter, de vous mettre en garde, de vous protéger des autres, mais aussi de vous-même dans votre ignorance. Tout le bien que tu fais te sera retourné, de même que tout le mal. Et chaque acte ou décision ouvre des portes ou des cycles, je vous l'ai déjà dit, mes amis. Il faut donc être constant dans ses choix de vie et être ferme et sérieux sur ses positions. Tu veux la paix pour toi et ta famille? Ne fais surtout de mal à personne. Nos apprentis sorciers ont été surpris par le réveil de l'âme du guerrier de la lumière qui a repris ses esprits. A fait le nécessaire pour neutraliser les assauts de ces farfelus donc, en retour. Le reste laissé à l'autorité suprême pour jugement. Le seul effort demandé étant de se détacher de la présence de ces satanistes. Quand on en prend conscience. Là, il faut retenir l'intérêt de ne pas répondre à l'âme en faisant l'âme. Dans tout ce que l'on te fait d'injuste dans la vie, il y a des positions à adopter. On ne se bat pas avec l'ennemi, avec ses armes. On perd dès lors. Il faut prendre une autre direction. Mais la première des protections est le rejet de tout individu qui appelle en nous le doute raisonnable. Nos satanistes, au bout du compte de leur opération macabre, puisque quand les esprits sont appelés, je vous l'ai déjà dit, ils doivent opérer. Que dans la mesure où la cible s'est réveillée et a retrouvé sa souveraineté, eh bien, c'est le retour à l'envoyeur, back to the sender. Tout ce qui a été fait pour mettre dans une certaine position la cible innocente est donc encaissé par l'initiateur qui ne s'y attendait donc pas et qui voit donc sa vie détruite sous ses yeux, impuissant quand le karma sonne. C'est exactement ce qu'il a prévu pour l'autre. Ce qu'il a prévu, ce qu'il a voulu, qu'il arriva à l'autre. Mais ça, ça lui est arrivé à lui en intensité décuplée. Seule la vérité triomphe, encore faudrait-il que tu lui donnes la chance de s'exprimer. Et tu le fais en menant une vie saine et digne, une vie saine et digne à l'écart de toute turpitude. Même si tu ne sais pas grand-chose, mon ami, fais ce que tu as à faire, occupe-toi de tes propres affaires. Si tu ne peux rien apporter de bon au monde, c'est pas grave, mais ne nuis en rien à qui que ce soit. Je vais m'en arrêter là pour ne pas la faire trop longue. Et vous reviendrez, mes amis, pour la suite. Plus nous avancerons, mes amis, plus les vérités se dévoileront et plus certains d'entre vous comprendront pourquoi nous sommes tant craints et combattus par tant, mes amis, alors que nous n'avons même pas encore commencé. Quand vous m'écoutez,
Interrogez-vous d'abord sur quel est votre camp dans la vie. Ensuite, vous serez en mesure de mieux apprécier mes amis. Et pour les curieux, portez à l'indiscrétion, nous vous conseillons pacifiquement de vous occuper de vos fesses, de vos affaires. Cela vaudra certes mieux pour vous. Free spirit and family, the light walker, for the strict benefit of the community of common sense. Still here we are, and stay firmly. We ain't going nowhere. By the power of the Almighty. Yeah, man. Pedal me know what me in a. Nobody can judge me. The whole of we a sinner. When my prayer said no, remember the killer. Hello, it's me, talking as a sinner.